Bonjour mes petites sœurs, j'espère que vous allez bien, moi très bien. J'espère que la lumière est bonne parce que là il est très tard, enfin tard, non, il est 6h, 18h au soir, mais voilà, la lumière n'est pas très. Ça va encore, j'ai la lumière de la fenêtre quand même, mais du coup on va se dépêcher. Du coup, on est là pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, mais pour ouvrir la Woobox. Je sais pas si vous voyez, elle a l'air plus grande, mais elle est plus grande puisque j'en ai une ancienne que j'ai là de l'année passée, je pense. Ou ici, non, ça c'est le mois passé. Enfin, je ne sais plus, regardez comme elle est plus grande. Attendez, je la mets correctement là. Vous voyez, on voit qu'elle est plus grande et un peu plus large aussi. Du coup, on va s'ouvrir ça. Voilà, mais elle est très belle. Je sais pas si vous l'avez vue, mais celle-ci, je la trouve trop mignonne. La box, elle est très belle cette fois-ci. J'aime bien dans ces tons-là. Brun, beige. Celle-ci, je vais la garder, ça c'est sûr. Du coup, c'est parti, mon kiki. Elle s'ouvre comme toujours, ça ne change pas. On a un petit papier de soie mauve rose. Du coup, je la dépose. Et on a déjà un petit paquet de bonbons. Hop, voilà. C'est les bonbons qu'on a déjà eu. Pour le moment, ils continuent à vider leur stock de bonbons qu'ils ont eu. C'est les bonbons de Julien. C'est des bonbons artisanaux. Moi, je ne les ai pas trop aimés. Mais je connais quelqu'un qui regarde habituellement qui va les manger. Enfin, je crois. Maintenant, je ne sais pas. Elle ne m'a pas dit si elle les a bien aimés. Après, le deuxième goodies était collé sur l'étiquette. C'est un petit porte-clés. Je vais le retirer du sachet. Je le remettrai après s'il faut. C'est un petit porte-clés. Il a l'air pas mal. Hop. Je sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Oh, ben il y a plein de petits trucs écrits. Du coup, c'est un petit porte-clés avec comment on dit, on l'ouvre là. C'est un petit. Trop mignon. Hop. Et c'est un petit ruban. Et il y a des trucs qui est marqué dessus. Marqué le petit colis. La lecture et une amitié. Après, c'est quoi? La Jada Police. Parce que l'écriture un peu. Je sais pas si vous allez voir l'écriture. Non, bien sûr, vous n'allez pas voir. Non, vous n'allez pas voir. Un peu plus. Je sais pas comment dire. Lire, c'est un rêve des yeux ouverts. Bonne lecture. Le livre est un outil libérateur. Et là, le petit colis. Voilà, tout entaché en fait. Voyez, il est trop beau, j'aime bien. Je crois que je vais le mettre sur mes clés. J'aime bien. Après, je retire le petit truc. Voilà le petit flyer des porte-clés. Un joli porte-clés en ruban autour de la lecture. C'est bon. Un sachet de friandises fabriqué les artisans de bonbons Julien. Voilà. Après, oh, ils sont plus souples. Ils sont bien aussi. Ils sont plus souples que ceux avant. Sont plus les autres sont plus rigides. J'en ai là un ou même plusieurs. Je sais pas le bon. Ceux d'un moment, vous voyez, c'est en, je sais pas si déjà c'est plus cartonné. Ils sont moins rigides que là. On laisse vraiment que celui-là, c'est du. Ils sont moins plus cartonnés en fait, plus. Moins épais, plus épais. Mais nouveau. Voilà. Mais ils sont très beaux, j'aime bien. Ils sont très jolis. Après, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est là-dedans. On prend le premier livre. Je touche un peu. On va prendre celui-là. Hop. Il est très beau aussi. Bon, c'est pas un que je connais. Prix télé loisirs, roman d'été. On n'est plus en été. Hein.
La sorcière et ses escarandrilles. Voilà. Et c'est de Samuel Barbie aux éditions Pocket. Et jury président de Virginie Grinaldi. Ça, c'est une connue par contre. Voilà, je ne sais pas. Ça leur écrit. Oh, comme là, l'écriture que j'aime pas dedans. Ben, c'est pas grave, on va lire quand même. Bon, je vais lire la quatrième de couverture pour en connaître un peu plus, parce qu'il me dit rien du tout. New York, chaque Z-A-C-H, Zach, est enfermé dans une circuit. Il a peine à se dorter à la société. À Londres, Anna est enfermée elle aussi. Elle vit reclue dans son appartement, incapable de franchir seule. Poussée par son psychologue, elle s'inscrit à un programme de rencompon. Oh, en plus, ce qu'il y a Audi. Repère d'ancien et son risque de faire des conneries. Zaki attire son attention dès que le premier mot et celle lui offre une liberté qu'elle pense hors de portée. Voilà. Avant tout, une réflexion et un enfermement. C'est le moment avec le. On parle qu'on va nous renfermer chez nous, on va dire ça comme ça, avec ce purée de virus. Voilà. Je suis pas très fan de cette couverture. Bon, il y a Paris et tout ça. Voilà quoi. Il peut passer quoi. On verra bien. Bon, je vais le déposer là. Et le deuxième. Papapam. Voilà, vous avez. Oh, c'est le King. Oh, j'ai le OK. De T.M. Franchet. Aux éditions Hugo Poche, New Roman. Elle a oublié son passé. Elle pourrait être son avenir. Lui, je l'avais mis dans mon. Dans ma liste. Sur le petit colis, vous avez les envies que vous voulez dans mon envie. Je l'avais mis. Et en plus, j'aime bien cette pocket parce que vous savez, les couleurs magnifiques des couvertures. Il est très beau. Bon, maintenant, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça se dit? Doyle se fait appeler ainsi depuis qu'elle est américaine et elle a tout oublié de ça. Véritable identité. Elle vit maintenant dans la rue et risque sa vie au quotidien. Elle a besoin de protection et c'est prêt à tout pour avoir un toit et de quoi manger. Même s'il faut s'introduire dans une maison d'un homme dont elle ne connaît rien. King n'est pas l'habitude qu'on cherche protection auprès de lui. Il a une amie avec un homme peu recommandable et participe à un nombreux fracas. Il vient de sortir de prison et sont déterminés de. Que son-il va donner son avis? Il n'en veut pas le retour. Donc interagit et trouve le point qu'il veut le garder auprès de lui contre toute raison, car personne ne sait qu'elle est vraiment et quel est son passé. Elle continuera-t-elle à se perdre ou lui permettra-t-elle
qu'elle lui donne un sens à sa vie. Que cache ses souvenirs oubliés. Voilà. Ça a l'air pas mal. Pourquoi pas. J'aime bien. Voilà pour les deux romans. Enfin, petit... Ouais, c'est roman. Voilà. Un texte intégral, ouais. Je regardais s'il y avait un truc plus dark roman. C'est plutôt dark roman, ça, celle-là. Excusez-moi. J'ai un truc qui passe pas. Je bois un coup. Je perds ma voix, si vous entendez. Voilà, ça va aller mieux. Voilà. Dites-moi lequel que vous, il vous plaît. Moi, celui-là, plus que celui-là, mais voilà. Bon, celui-ci est plus petit. J'ai pas regardé les pages, par contre. Celui-ci fait moins de 300 pages. 251. Celui-ci est un peu plus, quand même. Ouais, il fait plus que... 395. Bon, c'est deux petits romans qui vont passer assez vite, même si... c'est dur la lecture pour le moment. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si c'est pas des... Enfin, plein de petits pouces bleus. Le partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait. J'ai dit un petit commentaire et de partager avec tous vos amis, famille, tout ce que vous voulez. Voilà. Du coup, je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!